Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu d'inspiration, des choses qui m'inspirent, enfin surtout une chose qui m'inspire. En fait, j'aimerais créer une sorte de format vidéo où je puisse vous partager de temps en temps des petites inspirations. Alors vous allez me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si je peux recommencer ça potentiellement une fois par mois ou quelque chose comme ça, qu'on pourrait appeler ça les inspi du mois. Mais aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous présenter un bouquin pour tous les graphistes amateurs de l'espace. Allez, c'est parti. Ok, du coup, en fait, oui, c'est ce bouquin-là que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle Planétarium, et c'est un livre qui est, en fait, du coup, dédié à l'espace, qui explique un peu tout sur l'espace et les planètes. Et en fait, c'est un livre qui se consomme comme un musée, ce qui est ça qui est assez rigolo, et je vous le montre parce que, franchement, il est hyper inspirant, je trouve, ne serait-ce que pour les dessins, mais aussi pour les textes, parce que la typographie est intéressante, les textes sont super bien racontés. Du coup, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc voilà le livre avec la petite typo Planétarium. Donc c'est un livre qui est du coup créé par Chris Wormel et Lily Murray, qui est aux éditions Casterman, si vous voulez vous le procurer. Et donc à l'intérieur, on a une préface qui nous explique un peu les bases de l'espace, on va dire. Mais surtout, le livre en fait se distingue parce qu'il est orienté comme un musée. Donc c'est-à-dire que vous avez l'entrée. Donc bienvenue dans le Planétarium, notre place dans l'univers. Galerie 1, donc c'est ce qui équivaut de chapitre 1. Galerie 1, observer l'espace. Galerie 2, le système solaire. Galerie 3, le soleil. Galerie 4, le ciel nocturne. Galerie 5, les étoiles, les galaxies, l'univers. Et ici, à chaque fois, on a cette typo qui est assez sympa. Et chaque texte est accompagné du coup de petits visuels. Donc on a plein de petits visuels dans le livre qui sont hyper sympas. Et cette typo, on a toujours le premier paragraphe en gros avec la typo et ensuite du coup les explications en petites. Et vous voyez qu'on a en fait des grandes illustrations qui couvrent toutes les pages, donc en couleur, avec plein de détails dans ces illustrations. Donc c'est hyper beau, c'est hyper bien fait, c'est hyper chouette. Donc par exemple ici, le sol lunaire. Vous voyez, on a une illustration hyper détaillé et c'est hyper joli, c'est trop beau. Donc voilà, pour vous inspirer un peu, je vous montre quelques pages comme ça, mais sachez que le bouquin regorge de beaucoup de pages en fait et de beaucoup d'illustrations. Vous voyez ici, il y a des illustrations aussi de Jupiter qui sont assez magnifiques. Donc si comme moi vous êtes graphiste et à la fois passionné de l'espace et d'exploration spatiale et tout ça, et ben ce livre est fait pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Voilà, vous avez des illustrations comme ça qui sont incroyables, avec un détail dans les illustrations. Je ne sais pas exactement sur quoi c'est fait, si c'est sur, par exemple, sur Tablet, sur Procreate, ou, mais ça a l'air d'être fait numériquement, en tout cas. Et c'est assez magnifique, en fait. Du coup, voilà, c'est ma petite inspiration que je vous partage. Donc, une inspiration d'un livre qui traite de l'espace. En termes d'informations, c'est assez complet et d'illustrations, c'est assez magnifique. Donc, il y a tout pour nous satisfaire. Du coup, voilà, j'espère que ce petit bouquin vous plaît, en fait, en termes d'inspiration. Pour ceux qui sont férus d'espace, un peu comme je le suis aussi, bah franchement, c'est un peu un must-have. Moi, je l'ai totalement vu par hasard dans une librairie, parce que j'aime bien les chiner dans les librairies. Je l'ai vu totalement par hasard, dès que je l'ai vu, je l'ai acheté direct. Direct! Ça n'a même pas attendu. Donc voilà, je trouvais ça assez cool de vous montrer une source d'inspiration comme ça, donc un bouquin. N'hésitez pas, si ce format vous plaît, que je vous montre d'autres choses. J'ai potentiellement un site internet à vous montrer d'une marque, dernièrement, une marque que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, et qui m'a bluffé de ouf sur la cohérence de la marque et l'image de marque globale de cette marque-là, qui est assez incroyable, je trouve. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous présenterai cette marque, donc notamment tout ce qu'ils font sur leur site internet, etc., et dans leur magasin, parce que c'est une marque et des magasins aussi. Dites-moi si ça vous plaît, et comme ça je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo d'inspiration que nous appellerons sûrement les inspi mensuels du mois ou je sais pas quoi, ou si vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !